Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et à toutes, c'est Genotype. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Half-Life Blue Shift. Donc attendez, est-ce que je suis en mode QWERTY? Donc je vais le remettre en mode AZERTY. Ah, n'a pas l'air de fonctionner. Donc c'est pour finir la saga de Half-Life, donc la série. Donc là, on contrôle Barney Calhoun. Il y a un petit problème là, vu mon clavier. Ouais, 2 petites secondes. S, Z, U, W. QIA, ouais, c'est bon. Ça devrait fonctionner comme ça. Ouais, c'est bon. Donc, on contrôle Barney Calhoun de Half-Life 2 et de Half-Life 1. Donc, on peut voir tapant sur une porte avec une lampe de torche. Une torche ou une lampe de poche, la même chose. Quand on contrôle Gordon Freeman. Donc, on est garde de sécurité. Tout va être décrit. Durant la longue cinématique, très très longue cinématique du jeu. Prenez garde à ne pas vous pencher en dehors. Donc elle est légèrement différente de celle de Half-Life, premier du nom, donc voilà. En cas d'urgence, les passagers doivent rester assis à leur place et attendre des instructions. Donc j'ai pas très commenté ce cette vidéo. Les passagers handicapés doivent être évacués en priorité. Veuillez rester. En tout cas pas la cinématique en tout cas parce que c'est vraiment très très long, donc vous pouvez directement passer. Je ferai un petit lien dans la description ainsi que sur la vidéo. Si votre destination est une zone de sécurité située après le secteur C, vous devrez emprunter une rame spéciale au terminal. Si vous n'êtes pas encore passé par un système d'identification rétinienne auprès du service de sécurité avant d'emprunter une rame sécurisée. Ah, quand même. Bien détruit. Ouais, lui, pour nous embêter, il le fait exprès. Emprunter une des lignes menant au secteur de sécurité intermédiaire B ou C, vous pouvez vous rendre au contrôle sécurité de la zone 9 sans avoir à vous arrêter au terminal. L'accès à la branche de sécurité intermédiaire. On peut s'asseoir. Oups. Au personnel du centre de recherche de Black Wizard et aux visiteurs spécifiquement autorisés. Le badge de c'est sécurité ici, doit être porté obligatoirement. Nous aussi, voilà. C'est quoi cette odeur? La zone 9. Avec des amis comme vous. Hey Calhoun! La journée va être longue aujourd'hui. Amusez-vous bien, Calhoun! Cette rame oh, la mode gay. Désormais emprunter une ligne du secteur C du système. Voilà, je suis Barney Calhoun. 2 ans au Martinson College, au 4 diplômes. Vérifiez que vous portez votre centre de recherche de Black Mesa. Voilà, agent de sécurité. Security Zone 3. Ouais, voilà, bref, ça veut lire. Donc c'est ici que vient, voilà, c'est Gordon Freeman. Eh oui, en chair et en os. It's Gordon Freeman, yes. Donc sécurité du complexe, donc je vais devoir aller là. Non, c'est beaucoup moins beau que... Attendez, est-ce qu'il y a un problème? C'est beaucoup moins beau que... Quand Gordon Freeman descend, mais... Dans la version de Half-Life premier du nom, on voit pas la... Comment on appelle ça? La rame de sécurité. Enfin, la rame de transport, plutôt. Quand on démarre. Attendez une minute. Le contrôle d'accès ne vous reconnaît pas. Je vais voir si je peux ouvrir la porte de mon côté. Ah, il bug un peu. Désolé, Calhoun. Depuis ce matin, nous avons tout un Salut. Problème. Les ordinateurs plantent, les systèmes de sécurité ne fonctionnent pas correctement. C'est un miracle que nous ayons encore de l'électricité. Je suppose que j'ai même pas accès au... Ouais, comme d'hab. De la gauche, je vais aller voir ce qu'il y a à droite.
Non, c'est pas à droite, ça c'est derrière. Kaloun, vous savez bien que vous ne pouvez pas prendre votre service sans votre uniforme et votre arme. Ok. Bon, un petit coup. On sait pas le faire ici. Ouais. Je vais chercher mon uniforme et mon arme. Ok, j'allais par où? Ah, par là. Donc, je me dirige. Attendez. Kaloun. Ah là. L'uniforme. Mon arme, faut peut-être que j'ouvre le. Ah, d'accord. La vérité à propos des aliens et. Les complots du gouvernement. Ah. Bon, Barney et Kaloun a une femme. Voilà. En tout cas, dans l'histoire d'Half-Life. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe maintenant? On dirait que plusieurs personnes ont des problèmes avec l'ascenseur principal du secteur G. Pourquoi n'allez-vous pas sur place voir si vous pouvez faire quelque chose? Je sais, monsieur, je sais. Ah, l'armerie et la vidéosurveillance. On va prendre la vidéosurveillance. Bonjour Gordon. Ouais. Dans la faille, quand je sautais, je courais. Mais bon, ça se comprend. Goodbye Gordon. Ouais, là c'est l'armurerie. Comment je quitte ce. Il y a l'autre qui prend son beignet. Alors, ça, si je peux suivre, c'est Jenna Cross. Donc, on peut jouer dans une autre version uniquement sur PS2. Disponible sur PC, mais pas très légal tout cela. Je pense que c'est Half-Life Decay. On doit jouer en coopération. Voilà. Alors là, Murray, par là. Ah, là où je vous disais tout à l'heure. Par contre, tout à l'heure, je me souviens pas qu'il y avait quelque chose en bas. En même temps, j'ai pas regardé. Ah, voilà. Comment on va? Passe mon arme. D'entraînement au tir pour aujourd'hui, mais... Je vous ai donné quoi d'une arme à feu dans le centre? Ah, c'est marrant. Comment va? Ça va et toi? Voilà, Kaloun. Vous n'êtes pas inscrit sur le tableau d'entraînement au tir pour aujourd'hui, mais... Si vous vous sentez d'attaque... Je viens juste pour piquer les munitions, en fait. Une barre là. On va ramener son bazar. Et on va le remettre. Ah non, on peut pas. Munitions, beignets, munitions, voilà. C'est pas le gars que j'ai vu tout à l'heure? Bon, c'est pas tant pis. Par contre, ça me paraît bizarre, c'est qu'on sait pas cacher son arme. Donc, voir un gars qui se balade avec une arme dans le sang, c'est pas très. En tout cas, moi, ça me ferait peur en tout cas. Tu me balade avec une arme. Pip 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 pip. Je l'ai par où moi? Pourquoi de... Il a même donné lui. Je suis un peu occupé là, Kaloun. Il y a des boutons mais ça sert à rien. Désolé, vous ne devriez pas être en service? Bon. On va se diriger un peu plus par là, allons-y. Je suis sûr que c'est par là. Ouais.
pas été à la zone. Ah si. Pas le faire parce que j'ai pas envie que ça commence. Donc, HE Particle Labs. HE, je sais pas ce que c'est. Hostile environnement, ok. HE. Donc, chargement. Vous pensez à la même chose que moi? Peut-être. Coucou. Oui. Voilà qui sera utile. Je n'aime pas ça. Laissez-moi vous aider. Ok, j'espère que vous savez ce que vous faites. Bien sûr. En théorie. Vous sentez cette odeur de brûlé? Difficile à dire. Bien sûr. Essayons ça. Quel enfoiré. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Wow. Ce serait pas... Élivance. Reviens, regarde-moi. Rien de mieux à faire que de m'empêcher de faire mon travail. Oh, par là. Si vous attendez le tram qui mène au secteur G, vous feriez mieux de marcher. J'ai entendu que je tombe si ouais. De ce côté du complexe, soit tomber, soit ne pas tomber. Tout ce qu'il faut faire pour aller à sa zone de travail, quoi. Alors, c'est tendu à quelque chose, mais en fait, y'a rien. Par moi. Ah, une échelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être par là en fait. Non. Ah! Eh, c'est du fer! G-Man, il se fait man. Iron Man. Bon. Qu'est-ce qu'on a par ici? Par un pont qui descend. Beaucoup de chargement. Non, j'ai cru que c'est ce que Freeman venait. Ah, une carte. Freeman est à la secteur C, si je me souviens bien. On sait pas de quel sens ça va, quoi. C'est bien qu'à ça, ça et ça. C'est pas. Attendez. Secteur C, ça doit être le premier. Premier en bas ou premier en haut? Sûrement en haut. Attendez, hein, ça c'est l'arrière 9 où je suis venu. Il tourne vers la droite, mais il tourne vers la gauche. En réalité. Ah d'accord, en fait la carte elle est fausse en fait. Donc par là. Il était temps, on ne vous paie pas pour que vous preniez vos aises. Faites en sorte que ce truc fonctionne pour que nous puissions faire notre boulot. Faut jamais dire ça à quelqu'un qui a la flingue. Level 2. Ou moins 2 plutôt. Je suis sûr que c'est encore ces types du service matériaux anormaux. Ils poussent toujours leur équipement au-delà des limites autorisées. À bidouiller Dieu sait quoi. Ah, ça m'étonnerait qu'il reste quelqu'un d'intelligent chez eux. Parce qu'on est mort en fait. Ah bah non, on n'est pas mort. Allez, descends. En fait, si on est mort. Fais peur tout ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il est comme ça?
C'est quoi? Il est mort lui. Il y a le train qui arrive, on dirait. Et moi, même sur par où moi. Wow. Pourquoi c'est toujours moi qui prends tout? Le gros bug. Ouf, lui il était légèrement écrabouillé lui. Attends, mais il est où le deuxième? Lui c'est le gentil lui, je pense, parce qu'il était... Ah non, c'est le méchant. Ah, une crowbar. Wow. Meurs. C'est tiré. Y'a rien là-dedans. Toi tu vas prendre tir. Voilà. C'est de venir sur ici. Casse tout! Oh oh! Comment je joue maintenant? Wow! Ah, il va directement, donc c'est un peu dangereux. Il est où lui? Kaloun, comment avez-vous fait pour passer? Ça n'a pas d'importance. Le seul autre moyen de sortir, c'est d'emprunter le canal. Si vous parvenez jusqu'à la surface, ne dites à personne que je suis ici. Je crois qu'ils essaient de nous éliminer. Maintenant, partez. Concentrez-vous sur le canal. Désolé, mais... Ah, c'est... Ah, non. Ça fait mal. Puis je retourne. D'accord, c'est anti... C'est anti-balles. Il y a des gros trous dedans. Je suis bien entre les trous, mais c'est anti-balles. Laissez-moi partir, si... Si vous voulez partir, passez par le canal. Bonsoir. Tout, j'ai chaud. Ah, c'était pas là en fait. Ça, c'est pas du tout logique. Qu'est-ce qu'une rame pareille fait ici? Wow. B. Bon, je peux casser par là, moi. Ah, mais ça a sorti en plus. Tu.
Ok. À quoi ça sert ça? Plus haut, plus bas, ouais, mais ça sert à quoi? Ah ouais, pour savoir. Pas que ça veut pas aller ce truc là. Si. Donc ça va là-bas. Pour aller sur l'échelle. Et ça se passe de l'autre côté donc. On le remonte. Le plus haut possible. Voilà. Donc quand je vais venir par ici. Non, si je vais faire ça. Ah non. Ah ouais quand même. Et je suis sorti sauter comment moi après? Peut-être qu'il y a un truc au-dessus peut-être en fait. Quel seul moyen pour le savoir? Pas besoin de sauter en fait. C'est pas visé. Merde, lui il va être chier. Putain, ils sont combien? Qu'est-ce qu'on a ici? Fais pas trop confiance à l'eau, moi. Non, il y a des trucs toxiques dedans. Pas le choix en fait. Ah bah, il y a un shotgun en plus. Je vais mourir! Avant, je monte avec ça, c'est plus rapide. Toi, je suis monté bien en haut pour sauter. Mais ça n'a servi à rien. Non, 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 monte. Ah ouais, sur les caisses. Putain, oh, putain. Ah ouais, c'est un bon vieux spa, c'est ça. Je fais de comment maintenant? Pas sûr. Non, je passe sur le truc, moi. En fait, c'est juste faire ça. Par ici. Par où? Il y a un truc vert sur le...
pas ce qui est différent chez eux. T'as acheté loupé toi. D'accord, un truc de soin dans les canaux. Pour le jeu, ok, mais. Oh putain, c'est. Ah, t'es déjà mort en fait. J'ai pas vu quelque chose là? Non. Ah, j'ai plus rien. Putain, ils sont 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mourir. Non. Mais meurs toi. Rien en fait. Salut. Une personne. Le contrôle du truc là. L'ouvrir, ça veut dire. Bah, d'accord, faut que je m'échappe par là. Il faut que j'aille là-bas. Et pour ça, je suis là. Et ouvre-moi le bazar. Bon, de mourir des premiers sauts, moi. Ah non. En plus, c'est là où je venais, en plus. Je parie. Non. Pas spécialement. Enfin, voilà. T'as le courant et naze. Ouais, quasiment rien. Qu'est-ce qu'on a par là? Parce que c'est tout ça en fait. Y'a quoi là-bas?